Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo maquillage. Donc il y a Monsieur Grisou qui s'invite pour jouer avec mes pinceaux et on va faire un maquillage vraiment très flash, enfin pas flash, mais très prononcé parce que j'ai envie de quelque chose de très bordeaux. Voilà. Donc je vais essayer de me maquiller avec la palette donc Petit Prix de chez You Are Cosmetics. Donc celle-là que j'aimais bien et on va utiliser, je pense, cette couleur-ci. Et je vais utiliser la palette Delancey que j'avais commandée sur AliExpress. On va utiliser celle-ci un peu foncée comme ça. J'ai envie de couleurs très très foncées. Donc ben moi je vais commencer tout de suite. J'ai déjà fait les sourcils comme je vous dis à chaque fois avec la palette maintenant de chez Action. Un illuminateur de chez P2 et une base blanche de chez NYX. Alors, je vais commencer. Je ne sais pas encore comment faire. On va commencer par appliquer cette couleur-ci. Voilà, avec un pinceau boule fluffy. Que je vais appliquer comme ça, en banane, comme ça. J'ai envie d'un bordeaux intense, quelque chose de foncé comme ça, en bordeaux. Ça va être super chouette. J'espère en fait qu'à la fin ça va donner quelque chose de joli. C'est toi là dans le miroir. T'inquiète. Alors, j'applique un tout petit peu de noir en creux pour intensifier mon maquillage. Et procéder au dégradé foncé. Voilà. Et par-dessus, je reviens appliquer de la couleur bordeaux pour fondre le tout. Jusque-là, tout va bien. Toujours avec le même pinceau que je vais essuyer à la lingette. Donc oui, j'ai pas dit, j'ai aussi appliqué les scotchs, bien sûr. On va le sécher. Hop. Je viens appliquer la couleur violette, celle-ci là. Sur la paupière externe. Ouais, c'est joli. Et je viens appliquer ce rouge-ci. C'est un rouge un peu rouille mat devant, mais très léger en balayant. Et ensuite, avec un pinceau plat, on va faire un tout petit dégradé quand même. Je viens prendre un pinceau plat, l'humidifier avec un fixing. Et je vais venir appliquer la couleur un peu or, comme ça, dorée. Dans le coin interne, pour faire un fondu. Wow. Voilà, et je reprends mon pinceau et je viens flouter ensemble les deux couleurs. Parfait.
J'essuie correctement mon pinceau et on vient fondre la couleur avec un beige pour le haut-dessus. Donc là, ça donne rien parce qu'il n'y a pas encore mascara, eyeliner, etc. et que je suis pas encore coiffée, mais vous verrez à la fin, ça sera très joli. Donc je prends le beige ici. Voilà, donc le pinceau, faut qu'il soit bien sec. Et je viens l'appliquer au-dessus pour faire mon petit fondu. Voilà. Ok, maintenant j'applique eyeliner et après on se retrouve pour le bas. Donc voilà ce que ça donne l'eyeliner. Et là, avec un tout petit pinceau comme ça, je viens appliquer de nouveau un rappel, celle-ci en ras de cils. Aïe, faut pas se foutre le pinceau dans l'œil quand même. Et on va mettre ça en ras de cils. Voilà, donc là j'ai appliqué. Excuse-moi, faut que je me réveille, je vais vivre quand même. Oui, mais passe derrière, c'est bon, je couperai. Alors là j'ai appliqué donc le mascara, donc j'ai un nouveau, c'est le Peggy Sage. J'ai appliqué un correcteur parce que j'avais un petit bouton ici et j'ai appliqué mon highlighter en zone T comme d'habitude. Voilà, donc maintenant je vais choisir un rouge à lèvres et puis on va voir ce maquillage à la lumière du jour. Alors en rouge à lèvres j'ai choisi le NYX Liquide et c'est la couleur 12. Voilà, c'est celui-ci. Et je vous montre ça à la lumière du soleil. Donc voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao!